C'est une exclusivité i24 News. Le ministre omanais des Affaires étrangères, Saïd Bader Al-Busaidi, devrait se rendre à Ramallah très prochainement. Objectif, rencontrer les responsables de l'autorité palestinienne. Les détails de cette visite n'ont pas encore été finalisés. Et dans le même temps, le ministre négocie avec Israël une visite à Jérusalem sur le mont du Temple. Une première donc, puisque le cabinet de Saïd Bader Al-Busaidi a contacté le ministère israélien des Affaires étrangères. Eli Cohen tenterait aussi d'organiser une rencontre avec son homologue omanais. Des négociations qui sont toujours en cours. Cette visite probable intervient alors qu'Israël poursuit ses efforts pour étendre les accords d'Abraham et normaliser ses liens avec de nouveaux pays de la région, notamment l'Arabie Saoudite. À l'heure actuelle, Oman et Israël n'ont pas de relations diplomatiques officielles, mais le pays a été cité comme pouvant adhérer aux accords après les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Au mois de février, le sultanat avait même ouvert son espace aérien à tous les avions, permettant de facto aux vols civils israéliens de le survoler. Ces derniers mois, Oman était aussi devenu le médiateur entre l'Iran et les États-Unis sur la question de la politique nucléaire, ainsi qu'entre l'Iran et d'autres pays arabes.